Alors, bienvenue à tout le monde donc dans la septième, dans les septièmes RSSIL, avec cette année quelques innovations, quelques changements. Donc, nous avons donc toute l'équipe qui est avec moi ici réalisé un challenge de sécurité informatique qu'il va donc se passer ce soir, qui commencera donc à 20h, pour se finir demain matin à 8h. Nous aurons une vingtaine d'équipes qui viennent de toute la France, avec comme premier prix un voyage pour toute l'équipe à la DEFCON, qui est une manifestation mondiale de hackers qui se passe à Las Vegas. Donc toute l'équipe partira donc une semaine là-bas pour assister donc, cette manifestation dure une semaine, pour assister à cette manifestation. Il y aura bien sûr des lots pour le deuxième et le troisième. Donc autour de ce point phare d'RSSIL, le challenge, nous avons donc des exposants, et merci donc à tous les exposants d'être venus, qui présentent des logiciels libres et qui présentent la sécurité informatique avec, par exemple, une distribution Linux qui s'appelle BugTrack, dont la conférence a eu lieu tout à l'heure. Le stand est ici à notre gauche. Ils viennent donc d'Espagne. Ils sont venus d'Espagne pour nous présenter cette distribution. Vous avez aussi la licence CDSI, hein, qui est la seule licence ethical hacking d'Europe qui est présente sur ce salon. Je reconnais beaucoup d'anciens de CDSI, mais vous avez dans les stands des étudiants actuels. Et vous avez aussi, durant toute cette journée, donc jusqu'à 19h ce soir, des conférences donc axées sur la sécurité informatique et logiciels libres. Donc encore merci à tout le monde d'être présent. Oui, une nouveauté, à 15h, un cours de hacking gratuit. Donc un hacker de Paris viendra donc pendant 2 heures, voire plus, suivant l'auditoire, donc faire une présentation des bases du hacking, donc pour un peu initier, pour donner le goût à cette filière de l'informatique. Hein, je rappelle que le hacking n'est pas du piratage, mais l'inverse, c'est-à-dire le hacking est quelqu'un qui recherche les failles, tout comme le pirate, mais qui ne va pas les exploiter à des fins illicites, mais essayer de les combler. Donc voilà, encore merci à tous. Donc je vais passer la parole à Monsieur le maire de Maubeuge, Monsieur Rémi Pauvros. Bien, quelques mots d'abord pour vous saluer, chacune et chacun d'entre vous, dire que c'est un plaisir chaque année de vous recevoir ici, dans ce site qui, je crois, est bien adapté et surtout très bien aménagé. Je veux féliciter celles et ceux qui ont assuré l'aménagement pour accueillir ce salon qui devient maintenant une réalité incontournable. Je veux saluer Christophe Di Pompeo, président de commission au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, adjoint au maire de Maubeuge, vice-président de la communauté d'agglomération, qui prendra la parole après moi, puisque c'est le conseil régional qui assure une grande partie du financement de cette manifestation, confirmant par là même son engagement pour le développement de la formation, mais aussi des activités et des transferts de ces activités dans le monde économique. Deux mots pour vous dire que, bon, on est sur un parcours. Je le dis à celles et ceux qui viennent d'un peu plus loin, qui vont être encore plus nombreux tout à l'heure avec la nuit. Vous accueillir ici, c'est vous accueillir sur un territoire qui met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir dans le développement de l'activité qui est portée par Akissi. Je veux saluer son président et toute l'équipe, parce que c'est une activité porteur d'avenir, de développement, d'accueil, et si possible, nous le souhaitons et nous l'espérons, de développement d'activités liées à l'emploi. Donc je veux dire que ce parcours, ben, il est important, il est effectivement de plus en plus reconnu. Personnellement, je suis impressionné par l'activité que développe aujourd'hui cette association,
puisque nous avons là déjà une reconnaissance au niveau international. Et je pense que votre intervention pour l'accompagnement de la mise en œuvre d'activités à travers le monde, on peut le dire comme ça, est déjà un signe fort. Allez, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, mais c'est le monde. C'est déjà l'ouverture sur le monde. Et donc, après la Côte d'Ivoire, il y aura bien d'autres parcours qui vous permettra d'assurer le développement d'activités reconnues en matière d'audit et d'accompagnement de mise en œuvre de sécurité informatique. Mais évidemment, vous intervenez dans le cadre de la licence professionnelle CDAIC que vous avez évoquée tout à l'heure. Nous avons, nous, à longueur d'avance en matière de sécurité informatique, nous devons la conserver, rester vigilants pour que notre territoire puisse en bénéficier économiquement, par exemple par la création d'un incubateur dédié aux entreprises et micro-entreprises favorisant le développement de la sécurité informatique. La formation aux nouveaux métiers du numérique doit être une priorité. Chaque année, la MVS, c'est-à-dire la communauté d'agglomération que j'ai l'honneur de présider, reçoit des stagiaires et des apprentis formés à l'IUT, licence professionnelle, informatique de gestion pour les PME, PMI et DUT informatique, afin qu'ils puissent s'aguerrir et nous enrichir. De même, nous avons signé le 24 mars dernier un protocole d'accord avec l'université québécoise Hexagram, SIAM et l'université de Valenciennes pour une collaboration internationale sur le développement des arts numériques. Des étudiants seront accueillis dès la rentrée à la gare numérique de Jeumont. Équipement de haut niveau dans lequel ils pourront laisser libre cours à leur créativité. Acquissi y est déjà hébergé par la MVS et peut ainsi bénéficier de l'utilisation de cet équipement. Vous voyez donc que nous sommes dans une démarche extrêmement volontariste, très liée à l'art d'une façon générale. Et j'en profite pour vous dire que si vous avez le temps ce week-end, n'hésitez pas à vous échapper quelques instants pour bénéficier de l'animation et des spectacles qui sont proposés dans le cadre du festival Les Folies, qui est aussi un rendez-vous, je pense, maintenant incontournable et reconnu au niveau national et international. Nous avions les médias hier, le lancement, il y a des choses très particulières qui vont vous intéresser, en particulier au niveau du traitement de l'image. Si vous avez la possibilité, essayez de voir ce qui est fait avec la porte de Mons, c'est au centre de Maubeuge, c'est la porte qui Vauban, des fortifications Vauban, où vous avez une projection avec une déstructuration d'image qui fait que le bâtiment s'embrase, se démonte, se tourne, etc. C'est assez impressionnant, je l'ai vu hier soir et je vous invite vraiment à voir. Mais il y a bien d'autres choses pendant ce week-end, grâce à une scène nationale. Nous avons la chance ici d'avoir une des grandes scènes nationales de France, internationale avec la Belgique, qui est dirigée par Didier Fusillé, qui a été le directeur de Lille 2004 et qui prépare, je vous donne ce rendez-vous pour l'avenir, Maubeuge 2015, capitale de la culture, mais surtout Mons qui est à côté, capitale européenne de la culture. Vous voyez que nous avons, au-delà de l'informatique et de la sécurité, des ouvertures sur le monde de la création. Et c'est bien pour ça que notre communauté d'agglomération s'appelle Maubeuge Creative City, puisque nous créons tous les matins des idées nouvelles pour assurer une activité nouvelle. Voilà quelques mots que je voulais dire, mais permettez-moi d'encourager l'équipe d'Acquissi. Ce n'est pas facile. Ils sont novateurs. Ils sont en train de créer le développement d'une activité qui est en France. Allez, on n'est pas les meilleurs. La sécurité informatique n'est pas une des forces aujourd'hui des capacités françaises. Nous avons effectivement à nous développer en la matière et nous avons ici une équipe qui a compris l'enjeu économique que représentait ce créneau. Et comme tout ce qui est novateur, il y a devant des résistances. Mais ça, c'est aussi vrai dans tous les métiers et c'est vrai aussi en sciences. Il y a des résistances qui se mettent en place. Parce que vous bousculez, parce que vous osez dire ce que nous sommes en train de faire, c'est possible ici à Maubeuge. Ce n'est pas forcément à Lille ou à Paris. C'est possible ici parce qu'il y a des jeunes, parce qu'il y a une motivation, parce qu'il y a une volonté et parce qu'il y a une dynamique. Et parce que vous portez ce message, ce n'est pas toujours
évident. Et je remercie d'autant plus le Conseil régional d'apporter son soutien à ce salon et au développement de ses activités. On va peut-être imaginer de vous doter d'un conseil scientifique qui vous permette d'associer à votre démarche un certain nombre d'enseignants, en particulier universitaires. Je pense que ce sont des pistes qu'il faut vous creuser, parce que c'est parce que vous rassemblerez autour de vous d'autres forces que vous serez d'autant plus fort. Et c'est toujours comme ça qu'il faut envisager l'avenir. Merci à vous pour ce beau salon. Merci aux exposants. Merci à Canal FM qui est là et qui apporte une écoute particulière pour les auditeurs du territoire à cette activité. Merci à tous ceux qui contribuent au développement, qui n'a pas pour d'autre objectif pour nous de créer un avenir professionnel passionnant pour nos jeunes. Félicitations à Kissy et vive ce salon de la sécurité informatique. Merci. Je donne la parole à Christophe Di Pompeo. Merci, monsieur le maire, Rémi Pauvros, maire de Maubeuge, premier vice-président du Conseil général et président d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre. Merci aussi Franck Hébel, qui est le président de l'association Akissi depuis maintenant quelques temps. Mais il n'est pas tout seul, donc je le salue lui parce qu'il représente les autres. Il faut toujours un chef quelque part. Moi, j'ai le mien qui est juste là. Là, il y a le vôtre qui est là. Mais bon, donc il faut un chef. Donc je vous salue tous et Franck qui porte votre nom. Très court, je vais être, parce que je suis moi-même, en dehors de mes fonctions politiques, universitaire et matheux, et je travaille au quotidien, souvent tristement, des fois gaiement, mais avec des informaticiens, et je sais qu'avec des informaticiens, il faut avoir un discours binaire, rapide. C'est du oui, du non, du si ou du ou, du et, parfois, mais soyons binaires. Donc, quelques mots déjà pour vous féliciter de cette organisation qui, maintenant, est 7e édition, je crois. Et je me souviens très bien du début de la manifestation qui s'est développée petit à petit et vous êtes devenus au fil du temps des pros. Donc je voulais vous féliciter parce que c'est quelque chose qui nous plaît à nous élus régionaux. L'informatique au niveau régional c'est important, c'est 18 000 emplois, c'est plusieurs milliers d'entreprises, donc c'est un secteur important. Et ce que vous avez fait dans le secteur de la sécurité informatique, c'est quelque chose de très bien et qui à l'époque et qui est toujours aujourd'hui à mon avis novateur. Je ne connais pas beaucoup d'associations sur le territoire de la région, qui travaille sur ce sujet, et ce qui vous vaut d'ailleurs une reconnaissance qui est à la fois une aura, qui est à la fois régionale. La région, à chaque fois que nous avons une manifestation sur la sécurité informatique, nous vous adressons à vous, en vous disant venez nous aider, mais aussi nationale, vous allez à Courchevel, vous allez à Paris, vous voyagez beaucoup, et vous allez aussi maintenant à l'international, en Côte d'Ivoire, au Maroc, Marrakech, Casablanca, ça devient presque du tourisme. Tourisme informatique, mais du tourisme. Donc, félicitations. Le maire de Maubeuge le disait, la région vous soutient financièrement à hauteur de 65% de la somme subventionnable, c'est-à-dire 80% de ce qu'on peut faire. Et donc, je vous le dis et je vous le réaffirme, parce que je sais que vous avez eu quelques soucis, la région continuera à vous soutenir sans hésitation et de façon durable. Donc rassurez-vous, parce que le travail que vous faites aujourd'hui est reconnu et il n'y a aucune raison qu'on s'arrête, et donc nous continuerons. Voilà. Alors, j'ai oublié de le dire, vous êtes des hackers, mais des gentils hackers. C'est ça, hein, parce qu'il y a les mauvais hackers, les méchants hackers, qui vont pirater les... et il y a les gentils. Mais moi, j'aimerais bien être un gentil hacker, mais j'ai toujours essayé de pirater la Wi-Fi de mes voisins, mais j'arrive plus. Mais Franck, qui est un gentil hacker, m'a dit, mais c'est bien, on a développé ils ont développé un package qui permet de le faire, donc j'essaierai. Merci beaucoup, félicitations. Et bonne continuation pour ce que vous faites. Donc encore merci à tous et je vous invite tous au verre de l'amitié, donc qui se trouve ici à la gauche de la salle. Merci à tous.